di ou kon kote ou kale. Mais pourtant des jours bouchés, à toute vitesse ou à plonger, la vie douce là ou à chercher, longtemps ou virer d'eau bail mon Dieu. Pensez qu'on tout arriver, la vie toi coûte, ou pas penser vivre loin mon Dieu. Courir, retourner. Retourner, 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 retourner,
pour la parole de bienvenue. Nous allons nous retrouver tous les soirs pendant presque une semaine pour aborder le thème général qui a été choisi, intitulé donc « Un homme à la hauteur de ses prétentions ». De quel homme s'agit-il ? Jésus, dans une certaine occasion, lorsqu'il était en chemin avec ses disciples, leur a demandé, il leur a posé cette question, « Qui dit-on que je suis ?» Ou formulé autrement par une autre version, « Qui suis-je au dire des hommes ?» Cela se lit dans l'évangile de Marc au chapitre 8 et au verset 27. Et à la question, ses disciples répondirent que on disait de lui qu'il était Jean-Baptiste, les autres disaient qu'il était Élie, les autres qu'il était l'un des prophètes. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Et Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voyez-vous, le Seigneur aimait entretenir ses amis du royaume de Dieu. Et pour leur faire comprendre ce royaume duquel ils n'avaient qu'une idée forte, imprécise et souvent erronée, il puisait à pleine main des illustrations dans la nature et dans les circonstances de la vie quotidienne. Tantôt il parle d'un laboureur ou d'un semeur, tantôt d'une scène de marché, tantôt d'un infime grain de moutarde. Ici, il se sert de l'opinion publique, du qu'en dira-t-on, du commérage. Il instruit ses disciples sur sa personne en leur posant une double question. La première est générale et impersonnelle. Qui dit-on que je suis ? La deuxième est précise et personnelle. Qui dites-vous que je suis ? Dans la première, il les interroge sur les autres. Dans la seconde, il les interroge sur eux-mêmes. On voit, d'après les différentes réponses, que les opinions variaient. Pour les uns, il était Jean-Baptiste. C'était en tout cas l'opinion d'Hérode qu'il avait fait décapiter. Sa tête avait même été apportée sur un plateau devant tous les convives. Et depuis ce jour, les ombres du remords peuplèrent les nuits d'Hérode. Sa conscience le poursuivait, et il se mit à voir le spectre de Jean-Baptiste partout. Et quand il entendit parler de quelqu'un qui annonçait le royaume de Dieu de façon puissante et par des miracles, il crut que Jean-Baptiste était ressuscité des morts. Ainsi Hérode, et d'autres avec lui, croyait que Jésus était une sorte de réincarnation de Jean-Baptiste. D'autres croyaient que c'était Élie le prophète. La vie d'Élie avait été marquée par 7 grands miracles retentissants. Élie était l'homme hardi qui osait affronter le méchant roi Achab. C'était aussi l'homme qui échappait sans cesse à ses poursuivants. Et sur ces points-là, la vie du Christ...